Coucou la YouTube compagnie. Alors, on se retrouve cet après-midi. On est le 11 janvier. Il doit être 14h30. Peut-être moins 20, je sais pas. Pour un petit tuto sympa, agréable, facile, simple, rapide. Pour un petit tuto de une bague, tout simplement. Une bague ajustable avec des boutons. Oui, je suis lancée, j'ai sorti mes boutons, du coup je me dis j'ai 2-3 idées, autant les faire. Voilà. Du coup, moi je suis pas très bague, mais je sais pas, j'ai trouvé en rangeant 2-3 merdeux, j'ai trouvé mes supports de bagues. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais refaire des bagues. Voilà. Du coup, là, les supports de bagues, ils sont comme ça. Trouve très facilement sur les sites chinois ou sur dans les boîtes de confection, les magasins de bricolage, tout petit coin. Voilà. Du coup, il nous faut des supports de bagues, des boutons de bagues. Après, ça dépend si vous voulez un gros truc, un petit truc. Voilà. Et moi, j'ai collé au pistolet à colle. Bon, bah, ça tient, c'est pas pété. Donc, quand on colle avec le pistolet à colle, là, sur ce genre de truc, bien, pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur, faut être rapide et bien appuyé. Et si vous avez des fils, bien pensez à les enlever. Mais franchement, sympa. En plus, par chance, j'avais un bouton en forme de fleur sur le dessus. Pour cela, j'en ai fait une avant. Pour bien être sûr de mon histoire, voilà. Du coup, je me dis, on fait une ensemble. J'ai choisi déjà un peu moi mes boutons. Donc je vais en faire deux avec vous. Vous pouvez en faire une dans les tons bois un peu. Donc avant de coller, on empile en pyramide, en forme de pyramide. Donc de ce côté-là, comme ça, ou comme ça. J'aime bien comme ça. J'ai l'impression qu'il y a 4 boutons, du coup il y en a 3. Voilà, donc on va coller. Du coup, moi je vais déjà coller celui-là parce qu'en plus il y a un creux. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. On peut mettre une petite dose quand même parce que ça se gratte facilement. Et là, je vous dis, comme j'ai un creux, on essaie de bien centrer son truc. Il faut que ça soit joli. Ça colle bien, je pense. Ça y est, ça y est. C'est dans ce sens pour qu'elle retombe un peu, quoi. C'est pas tout à fait chaud, chaud. Je vais laisser tomber, voilà, comme ça. Pas laisser tomber, pas là. Pas le... Mais que la colle, elle redescende un peu, parce que j'en ai mis pas mal, du coup, c'est encore chaud. Pour que ça aille dans mes trous, dans le dessus, en dessous. Ensuite, on va coller celui d'en dessous sur le plus gros. Hop. Hop. Je préfère en mettre trop. Et vous voyez comme il y a les creux des boutons. Je préfère en mettre trop et devoir gratouiller après. Plutôt que mes boutons n'aient pas assez et qu'en fait ça pète. Voilà. Tout simplement. Et là, apparemment, ça a l'air d'être cool. Voilà, ça nous donne quelque chose de... Ah, il y a un côté, ça, c'est plus... Non, c'est pas grave. Hop, ça nous donne quelque chose de comme ça. Ensuite, notre support. Donc là, moi, je vais mettre sur mon support la colle. Tac. Voilà, je retourne mon petit bouton. Je mets bien au niveau de mes 4 trous. C'est notre indice pour être centré, tout simplement. Puis on appuie bien.
Et voici. Voilà. Une petite bague. Toute simple, franchement, toute simplicité. Franchement, quand vous avez une collègue de travail qui part en retraite ou qui change de service, vous voulez lui faire un petit truc sympa, c'est quelqu'un qui est un peu bijou, qui aime un peu les trucs fantasy, ça le fait, hein. Oui, alors admettons, vous aimez le poisson? Oui, alors venez me bouffer l'oreille. Non, je rigole, hein, c'est une blague. Hein. C'est une blague. Mais des fois, je blague. Ça m'arrive. Voilà. Plus ça y est. Rendez-moi mon doigt. Voilà. Deux. Et puis pour la dernière, je vais prendre un peu dans les tons gris. Parce qu'en fait, j'ai ce bouton. Et c'est bien un bouton à regarder. En fait, hop. Vous voyez, c'est bien un bouton. Moi, je vais m'en servir comme ça. Il est sympa. Hein. Donc ça sera le dernier bouton le plus petit, quoi. Mais ça, je pense que c'est gros quand même. Est-ce qu'on peut bouger notre doigt après? 1, 2, 1, 2, ouais. Ouais, si on pourrait un peu. Parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble en fait, cette histoire-là. Je mets celui-là là. Hein, je mettrais celui-là. Mais celui-là, il aurait fallu. Ça va cacher. C'est un peu dommage. Ouais. Ça va cacher. Attendez, si je fais comme ça alors. Je vais faire avec celui-là, plutôt avec celui-là. On n'est pas si mal. Je pitch, je prends ça quoi. Alors, je mets ma colle. Alors, les couleurs, combien vous en mettez, gros, petit. Je sais qu'il y a des femmes qui adorent les grosses bagues imposantes. C'est pas tout le monde, mais je sais qu'il y a des dames qui aiment ça. Moi, j'arrive déjà même pas. De toute façon, on est juste un pauvre petit anneau. Enfin, j'arrive pas à les garder très longtemps, en fait. Je pense que c'est à cause du travail, parce qu'on est sans arrêt en train de se laver les mains, machin. Et dans tous les cas, c'est pas autorisé. Je crois même l'alliance, maintenant, c'est plus autorisé. Bon, tout le monde a ses bikes, ses bracelets, machin, hein, j'avoue. La plupart de mes collègues, mais normalement, non, quoi. Normalement, non, hein. Pas censé avoir tout ça sur votre lieu de travail, sur quand vous êtes aide-soins. C'est des nids à microbes, en fait, tout ça, hein, clairement. En tout cas, dans notre milieu, réellement, c'est des nids à microbes. On s'en passe grave, quoi. Moi, j'y suis tout de suite un petit peu là parce que je vois que j'en ai déjà foutu sur le côté. Donc, voilà. Hein. Là, on essaye d'être à peu près bien. Comme pour tout, hein. Centré. Oh, c'est chiant, ça colle. Ça colle, ça colle, ça colle. Alors, j'ai vu qu'il y a. Il y a rose coco, rose bonbo coco, Corinne qui a reçu sa dégusta box. Du coup, j'ai failli regarder. Non, André, tu peux avoir la surprise, arrête tes conneries. Non, mais ouais, c'est... En fait, j'aime bien la regarder, toutes ses vidéos, n'importe de quoi, ce qu'elle fait, ce qu'elle parle, ses tutos ou non. Du coup, en fait, la dégusta box, enfin, j'essaye de pas la regarder. Parce que comme je la reçois, après en fait j'ai plus la... Moi j'aime bien avoir la surprise de mes colis où vous savez plus ce que vous avez commandé, tout ça. Franchement moi j'aime bien. Du coup bah quand j'ai vu ça, quand je vois ces vidéos, il n'y avait aucune surprise. Parce qu'en plus je m'en rappelle. Mais souvent je la reçois pas très longtemps derrière elle. Donc voilà. Non c'est mieux de... D'avoir un peu la surprise quand même. Du coup je sais pas si je vous ferai un retour vu qu'elle en fait un. Je sais pas, on verra. On verra. Des fois ça change un ou deux trucs. Donc faut voir. Hop. Franchement, voilà, c'est fait. C'est sympa. J'aime bien. Voilà. En 10 minutes, on a fait deux bagues, quoi. Moins de 10 minutes. 9,58. Ça va.
Hein, vous voyez, c'est pas la mer à boire, comme je dis. Et franchement, ça a son petit. C'est une bague, faut vous dire qu'il n'y a personne d'autre qui l'aura. Enfin, il n'y a personne d'autre ouais, qui l'aura. Enfin, ouais, voilà quoi. C'est unique. Et en plus, quand vous faites, même si c'est des petites choses comme ça, c'est quand c'est pour offrir, ça ajoute une valeur. Hein. C'est fait par vous. Le temps que vous le faites, vous pensez forcément à la personne pour qui vous le faites. Vous êtes forcément dans la bienveillance, donc c'est que du bon en fait. Très sympa, moi, vraiment j'aime bien, c'est sympa. Voilà, dans la série Bouton. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu, hein. C'était très rapide. J'espère que ça vous donnera des idées aussi. C'est pas mal d'avoir des idées hein, quand même. Et puis je vous dis à plus tard, la YouTube Compagnie. Passez une bonne après-midi, faites pas trop les fous et prenez soin de vous. Ciao, ciao!